Bonjour à tous et bienvenue les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de l'EBC numéro 2 pour la partie de tous les jours. Ça c'est mon sac avec lequel je pars tous les jours au boulot et tous les jours quand je sors avec moi j'emmène le sac, voilà, ça prend mieux comme ça. Donc alors il y a plus ou moins la même chose hein, dedans. Bon, un petit mémo du software, bon, avec des numéros qui sont les numéros importants, et puis alors c'est spécial travail, mais disons on a pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Alors c'est pas forcément qu'au travail hein. Ça peut être à la maison, un accident de voiture, bon, avec là les symboles de danger de. Donc avec moi des gâteaux en cas de bah vous ne pouvez pas rentrer chez vous à la maison parce qu'il y a une tempête de neige comme le 8 décembre 2010 et vous êtes bloqué, ça fait un peu de bouffe sur soi. Ensuite ça c'est à l'avoir aussi, mais enfin bon c'est un confort de voilà. Voilà, là c'est ça. Un couteau, j'en ai même deux d'ailleurs. Et ensuite, alors mouchoir, ça peut servir toujours. Et ensuite, dans la trousse, voilà, un briquet, pour le mal de crâne, des pansements, bon, pour les brûlures, pansements pour brûlures, la triangulaire bandage. Couverture de survie encore, hein, parce que bon, bah, c'est super important. Alors après, j'ai quelques pansements, rien d'extraordinaire non plus. Hein. Et des bandages, des bandes pour voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Voilà, et voilà, bah, tout. Il n'y a pas tout, alors si, il y a encore. Alors bon, là j'ai du scotch, mais bon c'est pas bon scotch, mais on met quand même dedans. J'en achèterai ou je verrai pour faire ça pour lâcher un autre. Ah, je me disais, il manquait quelque chose d'important. Alors une ceinture qui m'a lâché, donc j'en ai pris pour faire un genre de garrot. Ouais, c'est un bordel. Donc pour faire un garrot, on va expliquer légèrement. Le garrot sert à quand vous êtes bien blessé, ça coupe la circulation du sang. Alors pour faire un garrot, prenez la cuillère et vous tournez. Pourquoi la cuillère? C'est parce que vous allez tourner beaucoup plus facilement et mettre beaucoup de pression pour bloquer la circulation du sang.
Alors là, effectivement, bon, je sens pas trop beaucoup. Enfin, je veux quand même vous montrer que mes veines, elles sortent. Aïe, aïe. Désolé, ça va faire mal aux oreilles. Vous voyez déjà, j'ai assez de mal à gommer. Voilà. On peut voir un petit peu que mes veines sortent. Donc, je serre quand même assez fort. Donc, pour bloquer la circulation, voilà, avoir une cuillère. Alors, c'est con, hein. Alors, vous allez me dire, Arthur, cuillère. Ben, bref, je déconne, mais pour avoir une cuillère sur soi, il faut. Enfin, voilà. Bref. Voilà. Donc, je vous ai montré le garrot cuit. Enfin, après, vous pouvez prendre. Alors, c'est pas obligé une cuillère, hein. Mais si vous avez une baramine dans votre bagnole, je sais pas moi. On fait des travaux, vous arrivez sur un lieu d'accident où il faut faire un garrot, vous avez une baramine dans la voiture, ben ça marche aussi. Tout simplement, plus c'est dur au niveau, plus vous allez pouvoir mettre de pression et plus vous allez pouvoir bloquer la circulation. Donc voilà, bon, ça c'est pour le décès. Avec une petite précision sur le garrot. Un peu difficile, je verrais. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si vous arrivez bien à voir. Et puis sinon, je la referai. Voilà. Là, je me démerde un peu comme je peux. Bon, moi, je vous dis ben, à la prochaine. Et puis, portez-vous bien. Préparez-vous bien. Et puis, ciao!